Bonjour à tous, je suis Marc Fleury, biologiste. Dans la vidéo qui suit, je vous présente des activités de transfert d'omble de fontaine, d'aménagement et de suivi de son habitat. Les activités ont été réalisées dans la ZEC CASO. Bon visionnement! Dans les images qui suivent, je vous présente le suivi des frayères aménagées dans les lacs CASO, Causapiscal et 8000. Sur toutes les frayères aménagées des lacs CASO, Causapiscal et 8000, nous avons noté la présence d'alevins d'omble de fontaine au mois de juin 2019. Suite au suivi, on peut confirmer que 100% des frayères ont été utilisées pour la reproduction des ombres de fontaine dans les lacs CASO, Causapiscal et 8000. Les images suivantes vous présentent les activités de transfert et de relocalisation d'ombres de fontaine de l'émissaire vers le lac des 8000. Les activités ont été faites au mois de juin et octobre 2019. Les activités de 2019 ont permis le transfert et la relocalisation de 1999 ombles de fontaine vers le lac des 8000. Les images qui suivent vous présentent les activités d'aménagement de frayères dans le lac du Nord. Voici la situation initiale et après aménagement de frayères dans le tributaire du lac du Nord. Voici la situation initiale et après aménagement de frayères à l'émissaire du lac du Nord. Au total, 3 frayères ont été aménagées en 2019 au lac du Nord. Les images suivantes vous présentent les travaux de nettoyage de cours d'eau réalisés dans l'émissaire du lac Tremblay. Dans l'émissaire, plusieurs obstacles étaient présents et empêchaient le libre accès du poisson vers le lac Tremblay. Suite au nettoyage, 15 obstacles ont été enlevés pour permettre à l'ombre de fontaine de migrer vers le lac Tremblay. Au mois d'octobre 2019, le suivi des frayères aménagées a permis d'observer des géniteurs sur les frayères des lacs CASO, Causapiscal et 8000. Can you see me here?
midi, nous sommes sur l'une des frayères ménagées dans le lac Causapiscal. On voit sur cette image une femelle omble de fontaine préparant son nid. Le suivi à l'automne 2019 nous a permis d'observer des ombres de fontaine sur les frayères aménagées. Un gros merci à tous les employés de la ZEC Cazaux.